Lissi Naïs, la jeune chanteuse guadeloupéenne qui fait le buzz en ce moment, est dans notre île pour quelques jours. Retenez bien son nom car Lissi Naïs est une artiste qui va marquer la nouvelle scène créole pour un bon moment. Ce petit bout de femme, frêle, simple et fragile, se métamorphose dès lors qu'elle gratte sa guitare et se met à chanter. Depuis quelques jours, elle est dans notre île pour enregistrer au studio caraïbéen Record Festival de Miguel Sesto. Là, elle travaille avec les meilleurs, c'est la raison de sa présence chez nous. Saniski, Joël Jacoulet, tous sont littéralement tombés sous le charme de cette artiste à part. Nous avons eu la chance d'être invités à assister à son enregistrement avec le très coté Staniski. Il nous a avoué être totalement emballé par son talent. Et pour lui, qui avoue trouver un réel plaisir à travailler avec de jeunes artistes pas encore très connus, Lissi Naïs est un grand challenge, très intéressant et très enrichissant. La jeune chanteuse vient d'enregistrer une de ses compositions qu'elle réécoute attentivement avec Staniski. Un très beau grain de voix qui nous fait penser à Izzy Kananga en version féminine, autant dire très très prometteuse. On s'écoute un tout petit extrait juste pour le plaisir, sans aucun doute une artiste à suivre. Oh ouais, pourquoi renoncer à ces critères qui parfois oh ouais, influencer mes choix de m'éloigner de mon idéal. Toi, et je suis tout content de toi. Oh ouais, c'est pas plus partie de ce que tu me transmets là. Oh ouais, c'est celui de toi, je n'en veux mieux. Fini, c'est les rendez-vous, moi. Souris et puis marcher.